Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je reviens enfin pour vous faire des petites vidéos. Donc voilà, une absence un peu trop forte parce que j'ai eu quelques événements. Voilà, bon, il a fallu que je gère certains trucs. Voilà, je suis de retour. Je vais essayer de vous faire des vidéos, mais je vous ferai plus de vidéos aussi longues. De une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est pas la peine pour moi. Je préfère vous faire des vidéos courtes, que vous appréciez ça, entre 2 minutes, entre, je sais pas, l'heure du repas, voilà, regarder une vidéo le soir en rentrant, vite fait, entre une page de pub, voilà, juste l'histoire de 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Grand maximum, j'essaierai pas de dépasser les 20 minutes. Si ça dépasse 20 minutes, je ferai en deux parties. Ça ira plus vite pour moi pour monter la vidéo, plus vite pour vous la balancer. Voilà, juste pour se mettre à dire en ambiance, juste vous présenter la petite lampe que j'ai rénovée récemment. Donc c'est une lampe à huile, je l'ai trouvée, si, je sais pas si je l'ai déjà dit, je l'ai trouvée, je l'ai présentée, il me semble, dans une autre vidéo. Je l'ai trouvée dans un dépôt d'Emmaüs, je crois. J'ai acheté ça, elle était dans un état atroce, 5 euros. Voilà, j'ai commencé à la retaper un petit peu, et puis c'est une belle petite lampe. Moi j'adore. C'est marrant de trouver des choses comme ça. Voilà. C'était pas le sujet de la vidéo. Moi je voulais vous redire bonjour en 2015. Et puis voilà, qu'on soit pouvoir partager ma passion, pouvoir partager certaines choses. Donc la chaîne était à la base Bushcraft Picardie en 2014. Alors d'aujourd'hui j'ai dû changer, j'ai dû m'orienter ailleurs, on va dire, parce que le bushcraft c'est bien, mais au final pas grand monde en fait. C'est bien, pas grand monde en fait purement, parce que pour moi le bushcraft c'est partir avec un fire steel, et encore on va dire un morceau de corde, un couteau et une gourde. Se débrouiller, chasse, nature, pêche, cueillette, ainsi de suite. On peut faire des éléments, on peut faire un abri naturel, on peut faire de la corde avec des ronces, on peut faire. Voilà, c'est. Le bushcraft, c'est bien, c'est un retour aux sources. Toujours ce que je dis toujours ça, c'est un retour aux sources. C'est comment nos ancêtres vivaient avec pas grand chose, et puis voilà. Quand je parle d'ancêtres, c'est pas vos grands-pères, c'est pas nos arrière-grands-pères, c'est pas les gens à la Renaissance ou au Moyen-Âge, c'est encore plus vieux que ça, hein. Il faut remonter très très loin. Quand je dis nos ancêtres, c'est les premiers hommes, c'est la préhistoire. C'est vraiment eux, ils vivaient avec rien. Bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas de but dans la vie, mais. Et avec pas grand chose, ils se sont débrouillés au fur et à mesure voilà, de subvenir à leurs besoins. Voilà, le bushcraft pour moi c'est ça, subvenir à son besoin avec pas grand chose, voire même rien. Voilà, parenthèse fermée, ce n'est plus bushcraft Picardie, puisque la Picardie c'est l'Aisne, la Somme et l'Oise. J'ai préféré m'axer sur l'Oise. Et puis, pour moi, ce qui est primordial, c'est la passion. Faut être passionné. Et surtout, ça, en fait, c'est la nature. Voilà, ça va être la nature. D'où passion, nature, gauloise. Voilà. Donc, gauloise, c'est juste pour faire le petit jeu de mots avec l'Oise. Et puis, passion, nature, c'est pour vraiment évoquer la nature, quoi. Voilà.
Donc on est début 2015, bon, début 2015, on est le 1er mars quand même. Je voulais redire bonjour à certaines personnes que j'ai rencontrées il y a récemment aussi, que j'ai depuis un moment avec moi. Claude, déjà pour commencer, Claude, salut mon gars, j'espère que tu regarderas cette vidéo et puis voilà. J'espère faire encore quelques bivouacs avec toi parce que je sais que tu as un projet en ce moment. J'espère faire encore des bivouacs avec toi et puis bah pourquoi pas partir là-bas et voilà, on se retrouve voilà. Donc ça c'est pour Claude. Ensuite j'ai rencontré il y a un petit moment déjà en interne parce que j'avais pas fait de vidéo là-dessus. On avait rencontré avec Claude Skyle de la chaîne Skyle Survivaliste, Skyle Mage. Bon bah écoute Jean-Michel, moi pour moi voilà t'es un bon gars, un petit coucou, un petit coup de pub pour ta page. J'espère que ça va décoller aussi. En espérant que ça va et puis bon bah on se retient toujours informé. Toujours pareil, toi aussi t'es en Picardie. Voilà. Salut à toi. Il y a aussi un petit gars qui est sympa comme tout, c'est Seb, Sébastien. Sébastien, j'ai rencontré sur Facebook, qui avait la même idée que moi. Enfin, j'ai eu la même idée que lui plutôt. A créé une page sur la Picardie pour le bush, pas le bushcraft. Mais bon bah voilà, vu que moi j'ai changé de nom, et puis que lui, je pense que. Le pauvre est tout seul dans sa région là-bas et pas très loin, mais voilà, il faudrait qu'on se refasse un bivouac ensemble et puis faire une vidéo ensemble, ce serait marrant. Ça, et puis je voulais faire un coucou aussi à David, David Esprit Nature. Salut à toi et puis bienvenue à ton enfant, parce que sa femme a accouché il n'y a pas longtemps. Petit gars, un petit gars sympa aussi de vide que j'ai hâte de rencontrer en chair et en os, voilà, pour qu'on puisse vraiment passer de bons moments ensemble. Et puis il y a une personne aussi qui commence à se développer, qui commence à faire des vidéos pas mal et sympa. Ça sera, il y aura deux ou trois chaînes que je préfère, voilà, je préfère partager avec vous. On va avoir Vulpé. Alors Vulpé, je sais plus si on dit Vulpé ou Volpé. Vulpé de la chaîne Vulpé Rando Bivouac Normandie. Donc j'espère aussi qu'on va se rencontrer un de ces quatre, ce serait bien. On va avoir Rammstein Bushcraft aussi, je crois. Rammstein. On va avoir. Ilana Bushcraft qui a commencé une petite page sympa aussi sur YouTube, petite chaîne sympa. Et puis Nature Ch'tite Picarde, Ch'tite Nature, un truc comme ça. Une page aussi qui. Je crois que c'est un père et son fils qui développent ça ensemble. Voilà, je leur souhaite de réussir et puis. Ben, en espérant qu'il y ait d'autres personnes que j'ai pas encore vues, mais que je rencontrerai dans le coin. Et voilà. À venir, donc des petites vidéos, comme j'ai dit, 10-15 minutes, et puis sur différents sujets, des choses que j'ai, choses que j'ai à la maison, des choses que je découvrirai en nature. Voilà. Beaucoup plus de vidéos, mais des petites vidéos. Voilà, bah écoutez, une bonne journée, bon courage à vous, et puis ben, c'est quatre quoi. Allez, ciao!